police nationale qui a fait face à bandits qui voulaient imposer loi dans tout pays a gen gros souci pour en qui manière yo ka meti un bout à situation terrible côté population par contre qui sait pour reler tellement malfra a viré bilio. Jodi a même nous déclenchons une opération officiellement qui porte nom tornade 1. Tout piège blindé ou avec la police qui engage dans aucune chaîne opération ça. Avec service technologique la police là, yo y veut détruire un drone malfrat ont été utilisé pour te gagner contrôle policier yo. Yo détruit tout ça qui est obstacle sous route yo et c'est le commencement de la bataille. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sous Sofia TV 83. Mes nouvelles là, j'aime toujours annoncer là. Police nationale d'Haïti dans cadre opération côté a fait chasse à l'homme, des dovites et l'homme annoncé. Yo pral traquer, coûte que coûte et quel que soit côté lié à tout, yo pas gain problème pour arriver et puis mettre la patte sous lui. J'ai été offert plus ça c'est 10 millions de gouttes pour Kembe et puis mettez main sous chef gang crasé barrière. Dans une note de presse, la police mettait d'ailleurs, yo touye deux bandits qui t'appral essayer poté lettre baye machan yo dans l'idée pour capable sembler comme poté ba chef équipe yo, mais cependant deux nèg yo tombé avec des pistolets récupérés. De l'autre bandit encore en bas main la police, c'est ça yo annoncé côté nèg yo a couru monter pour faire kidnapping. La police campé avec yo bab pou bab vagabond perdit la vie yo. Et puis tout gros dame qui passait dans Port-au-Prince, yo fait connait c'est équipe Timakakla qui passait à l'infinitif juge qui sous dossier ancien président ou bien encore juge madame Jovenel Moïse là. Nous voulons parler de Martine Negazam rivé mettez la tête et gagner yon avocat ensemble avec la machine qui rivé perdit la ville. En pile information pour journée jeudi 16 février 2023 ça restez connecté ensemble avec nous. Nous c'est Sofia TV 83. Plus détails à l'autre à venir dans prochaine vidéo n'a bien pour publier yo. Mais qui te me dit ou songez abonné ensemble avec pour pas rater aucune vidéo n'a publié sur channel Paola. Yo d'autre côté individu Akzam assassiné met Yvon Piram hier après-midi dans zone Thomasin 30 commune Pétionville zone côté gang Timakak la contrôlé avocat qui était à bord machine privée li recevoir une balle dans tête yon l'autre avocat qui était accompagné li ta sorti blessé dans attaque ça d'après information yo met Yvon Piram c'est avocat dans barreau Akin, victime nan, c'est membre cabinet firme avocat expertus cabinet qui représentait ancienne première dame nan Martine Moïse dans quatre dossiers assassinat président républicain Jovenel Moïse d'après ça journal Le Nouvelliste rapporté. Kervens Jean-Simon et Wilkins Louis, c'est notre deux individus qui est arrêté dans le cadre d'enquête qui a mené sous assassinat ancien directeur général IPVLS, Yvon Busquette, ancien sénateur département sud paysan, est mort assassiné dans la boule 12 accompagné d'un proche lit. Entre-temps, trois présumés bandits qui étaient gagnés dans plusieurs lettres pour distribuer par les habitants zone tabac, oui, pour le payer, pour le capable de payer, chef bandit, mourir dans l'échange de coups de zame avec la police dans la commune Tabar. Ailleurs, mercredi, force audio saisit deux pistolets calibre 9 mm. Environ 16 présumés bandits mourir dans l'échange de coups de zamak à la police. Plus passé 369 moun arrêtés, 24 zam à 153 kilos marijuana saisis, sorti mois janvier, pour arriver journée jeudi, d'après porte-parole à PNH, commissaire Gary Desrosiers annoncé opération Tornade 1. Après poursuivre, yo continue à pas traquer gang vite l'homme. Dans la zone Torcel à Capernier, commissaire Gary Desrosiers dans le micro Caraïbe FM. Daddy Sébastien Ignace qui continue que les babas. Patrick Dublan. Sheila Pierre pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, contre-rançon, trafic d'armes et munitions, vol armé armé, gain tout. Nelson Gentil qui a arrêté pour implication et n'a s'agrouer avec gang crasé barrière. Jean-Carlo Jean-Louis, Bernardo Bonne, Mackenson Minos, Jameson Lui, pour vol, pardon, armé, trafic de munitions.
DCPJ doit arrêter Marjorie Bruce le 17 janvier 2023 dans Place Saint-Anne pour implication de tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale pour la, de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication et dans vol véhicule, vol armé, côté que plusieurs citoyens victimes de eux, et Angelo Jean-Baptiste pour vol armé, et il vient pour tout, il associe tout avec le groupe Genève là. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tous les yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner l'activité gangue et qui visait tout à arrêter toute gangue et conduire devant la justice. Gagner déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone, non? Dans zone Corail, dans zone Duval, dans zone Raquette, dans Canaran, et tout en appuyant PNH l'a décrété une permanence pour mettre maintenant en collecte ensemble de bandits saillants, notamment vite l'homme qui est en tête de gangs armés. Gagner plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, et un drone qui est détruit par la PNH. Et au niveau Torsel, gagné 3 interpellations qui faites. Dans le carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandrino pour détention illégale ZAM. Et au niveau d'Ascaobas, parce que nous t'ai dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans notre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville province. Au niveau de l'Ascaobas, il y a 4 présumés bandits qui sont blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police, et il y a un fusil d'assaut de calibre 44 qui est confisqué, et un pistolet de calibre et 9 mm qui saisit. Au niveau Gonaïves, toujours dans le cadre d'opération qui était lancée Tornade 1 an, gagné la police qui mène l'opération, côté que gagné 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisquée une bascule de couleur jaune et bleu blanc, c'est TM11943. C'est certain que question de calibre jeune main, qui est opération dans des zones qui ont des réputations, zones danger. Et on a dit que c'est une préoccupation au niveau du commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour à déloger, à éclater les réseaux de gangs qui a opéré pour le moment au niveau zone Torsel et un peu partout qui avoisine les zones A. Et au fur et à mesure, l'opération a pétané sous l'autre foyer de gang. N'a dit, en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kilos de marijuana qui saisit, 24 âmes saisies, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 dollars américains saisis, 10 485 000 goudes saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférés au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour les voies de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement ont perdu la vie lors d'accidents de circulation, gagné 29 blessés en total, gagné 369 arrestations qui fait, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale ZAM, vol armé, vol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration.
C'est pas une habitude, mais les nous camper, nous ouais, deux policiers accompagnés. C'est pas deux policiers qui l'a pour assurer en sécurité rapprochée, mais c'est, on a présenté nous, et il y a trois mannequins là, qui c'est nouveau équipement BLVV. Et BLVV, il est tout impliqué dans plusieurs opérations qu'il fait. Alors, si la population est capable de voir uniforme ça, équipement ça, il n'y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est nouveau équipement BLVV qui est brigade qui est là pour gommer contre vol véhicule. On a venu dans le département de la Tibonite l'an fois ça, plus que 20 jours depuis que Bandi ça vient, yo, t'es assassiné 6 policiers, yo t'es tué sur le champ, et puis yo t'es algon, l'autre qui t'es mourir dans l'hôpital, dans l'action boucate coup de balle qui t'es gagné entre la police avec Bandi ça vient, yo. Ça a dépassé dans la date 25 janvier 2023, dans la commune Liancourt. Et bien, police qui dans le commissariat, sous-commissariat, dans plusieurs communes dans le département de la Tibonite l'an, jusqu'à présent, pour courir pour une activité, yo, normalement. Qui était 15 février 2023, qui était fait 20 jours exactement. Comme nous te font un petit coup de pied à regarder comment ça y est dans le commissariat de police qui gagne dans la ville Gonaïve là. Mais il faut nous dire que les policiers jusqu'à présent n'ont beaucoup jamais reprendre l'activité. Malgré les policiers dans la cour, mais le commissariat, toute activité est toujours campé. Les policiers continuent à réclamer matériel pour écraser la gang Savien qui fait un pile mal, mais pour détruire toute gang qui gagne dans le département de la Tibonite là, qui a théorisé la population dans le bas de la Tibonite là. En tant que papier spécial à collaborateur, nous, Wallen Sully. Depuis après échec opération Léon Couan, qui était 7 policiers tombés en bas balle bandit Savien, policiers qui dans le commissariat Gonaïve entamé une grève manche longue dans l'idée pour forcer au commandement la police là prendre disposition pour craser groupe gang Savien dans la Tibonite. Policiers qui étaient gain comme revendication fort que jeune matériel blindé, armes automatiques avec renforcement effectif et puis l'ordre pour y aller mener opération dans sa vie. Plus que 20 jours passés, revendication ça yo pas jamais satisfait. Malgré un nouveau directeur départemental installé dans la Tibonite, inspecteur divisionnaire Coudson Jeune, situation pas ba aucun si amélioration. Dans visite radio Pyramide FM te fait dans commissariat Gonaïve là, journée mercredi 15 février 2023, nous remarqué policiers avec uniforme quelques montées descendent dans le commissariat. Pourtant, on n'y est vraiment pas marché. Si on a répété un policier qui n'a pas voulu voir l'enregistrer. Les policiers ont toujours campé sous la même position. Ils n'ont pas reprendre le travail. Tout le temps, les revendications n'ont pas satisfait. DDA, c'est vrai, ils ont garanti le matériel, ils ont abvenu. Mais jusqu'on y a, c'est silence radio sur le côté Port-au-Prince. Dans cette enquête, nous menons sur l'information qui a fait quoi les matériels qui rentraient. Nous finalement apprenons, c'est à Katouche ancien DDA, Jean-Bruce Myrtil, demandé avant revendication policière. Pendant ce temps, citoyens dans la ville Gonaïve pas caché inquiétude par rapport à l'absence de la police dans la ville Gonaïve. Ils n'ont pas senti confortable. L'activité la nuit est plus difficile. Les propriétaires bar nous contactés, déclarés, pas de pièces la vente. Ils sont obligés de fermer depuis 8 heures à la soirée parce que les clients n'ont pas mis les pieds, ils n'ont pas sorti. À cause de la sécurité. Et dans ce moment-là, nous avons une situation qui est vraiment catastrophique parce que pas rien n'a vraiment marché. Vous comprenez? Parce que l'activité est censée être nulle. Et en termes d'ambiance, et parce que nous sommes toujours ouverts là et tous les jours, et nous presque pas jamais jeunes clients. Comme d'habitude, nous ouvrons depuis 7h du matin, nous toujours fait maintenant 11h, mais à cause de l'insécurité, nous sommes obligés depuis 8h30 et nous fermer. Et même le ça autour, depuis la soirée tout, pas presque jeune monde dans la rue, parce que l'activité là maintenant c'est le soir qui peut fonctionner. C'est le soir où jeune client, mon après travail, il sortit à partir de 4h pour 10h30. C'est 11h toujours fermé. Mais ça vient pratiquement 2 ans là, depuis j'ai une sécurité à pays local, pas une courant tout, pour comprendre, mon peut sortir dans la rue. Donc, nous oblige à fonctionner timidement. Quand on est capable de dire c'est sauve qui peut, chaque coup pour clairer pour jouer, pendant ce temps qu'on est que c'est l'État qui a supposé bah, nos sécurités. Bon, on y a donc nous barrer par les policiers dans la rue. Bien que même les qui ont été dans la rue, si on n'est pas capable de faire travail là bien, pour comprendre, c'est donc toujours à faire effort pour nous veiller sous tête nous. Vous comprenez? Parce que même les qui ont été là, le travail là, c'est pas bien, vous êtes capable de faire parce que vous n'avez pas de matériel vraiment. Et nous, par contre, nous sommes présents souvent. Vous comprenez? Mais parfois, vous comptez pas si passer, mais qu'on y a.
tout le monde là, les gens rejoignent nous-mêmes, nous obligés, comme c'est ça que nous avons fait. Et c'est ça que nous avons toujours fait. C'est haïtien, nous obligés de prendre comme ça, mais nous avons côté ça. Voilà. Situation pas différente dans la vie, hein, côté, depuis le fait 8 ans, tout le monde obligé de rentrer la caillou. À cause pas des policiers dans la rue. M'a signalé pendant journée mercredi 15 février 2023 ça, nous avons remarqué plusieurs backup police qui sorti dans plusieurs autres juridictions parmi eux Henry et Lestin qui étaient rentrés dans le commissariat Gonaïves là. Selon information que nous avons recueilli, ils étaient venus chercher munitions dans le commissariat Cité l'Indépendance. D'après une note qui sortit dans Primature là dans pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry quitté pays hier mardi 14 là dans direction Bahamas. Monsieur Henry gagnait avec le ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, ministre AI Justice et Sécurité publique madame Emily Prophète Milsé. D'après notre ça toujours chef gouvernement haïtien a rencontré avec plusieurs tokali dans CARICOM. Ministre économie et finance là Patrick Boisvert a assuré intérima pendant que Premier ministre Ariel Henry à Bahamas là. Premier ministre Bahamas lui-même, Philippe Davis, déclaré leader caribéen a bien pour lancer un appel en faveur d'une assistance internationale et lui préciser objectif là c'est une solution qui dirigeait en faveur haïtien. Assassinat président Jovenel Moïse en juillet 2021 créé un gros vide politique dans le pays d'Haïti qui favorisait extension gang améo et augmenter crise humanitaire et économique dans le pays. Journée jodia, crise haïtienne nan avec un gros phénomène insécurité, poussé autorité haïtienne yo continue à réclamer yon assistance internationale pour aider police nationale la combattre gang armé yo. D'ailleurs, vendredi 10 février qui se passe là, Conseil permanent organisation État américain OEA nan Washington voté résolution ça. Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité pour des élections inclusives, libres, équitable et crédible pour une transition démocratique. Haïti pral parmi dirigeant CARICOM cap réuni à côté Premier ministre canadien Justin Trudeau et une délégation américaine cap gen en tête li secrétaire d'État adjoint Brian Nichols.